Salut Lutz. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Ouais, toi? Ouais, faut bien. Faut faire avec. J'ai reçu les pièces. Je les ai pas encore montées, mais d'après l'année de construction, ça devrait coller. Faudrait qu'on regarde ça ensemble. Ouais, d'accord. Si tu pouvais passer un de ces jours. Ouais, faudra voir aussi pour la couleur. C'était ma première affectation. T'as de la visite? Nous n'étions pas très nombreux. Madame Weber, voici votre collègue Frank Wolf. Frank, voici Madame Weber. De Francfort. C'est elle qui occupera le nouveau poste. Bonjour. Enchanté. Le temps qu'elle prenne ses marques, vous ferez équipe tous les deux. Mais moi non plus, je suis pas là depuis longtemps. Oh, c'est la coutume chez nous, tu sais. Moi, à l'époque, c'est Foss qui m'avait formé. Müller. Lutz Müller. Yvonne Weber. Dites, j'ai entendu que... Je peux vous demander pourquoi vous avez quitté Francfort pour venir ici? Non, mais t'es pas... Excusez-le, hein, son surnom chez nous, c'est Monsieur de Cogemeumel. Pas de problème. J'ai demandé ma mutation parce que j'avais témoigné contre des collègues à moi. C'est une blague de l'Ouest. Bien, puisque nous sommes tous réunis, je vais profiter de l'occasion pour vous remettre ce dossier. Bon, eh ben moi j'ai du boulot. Un meurtre non élucidé qui date de l'époque de la RDA. La première affaire de notre nouveau duo. Alors ? Il s'agit du meurtre de Doreen Wojciech. Konrad Ritter. Salut, Franck. Salut, Konrad. Qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Et embrasse ta jolie frangine de ma part. Oui, d'accord. Konrad Ritter? Oui, l'affaire Wojciech. Vous voulez un café? Là, tout de suite, je meurs de faim. J'ai entendu le mot faim ici? Oui, là, juste au coin, il y a un café. Vous avez quelle affaire? Wojciech, Doreen Wojciech. La chance des débutants. Pourquoi? Parce que l'affaire est claire. Et ça s'est passé où? Près de Gerstingsfeld. Alors allons prendre un café là-bas. Thank you.
pourrais passer chez moi, jeter un coup d'œil à mon ordi. Il y a un truc qui cloche avec Internet. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, tu vois. Si tu veux, je passe ce soir. Ok. Moi, mon truc, c'est tout ce qui est carrosserie. Le moteur, j'ose pas trop y toucher. C'est le coin idéal pour un meurtre. Il n'y a pas grand monde. Ah non, 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 vous n'y êtes pas. Avant, tout ça, c'était la zone frontière. Une personne sur trois travaillait à la sécurité de la frontière. La police des frontières, les gardes frontières volontaires, les douaniers, les Vopos, la Stasi. Ils avaient la trouille que des gens traversent la Vera à la nage pour passer à l'ouest. L'affaire est claire. Dorin Wojciech avait une liaison avec Konrad Ritter, c'est un musicien. Il avait une femme dans chaque village, et c'est pas une façon de parler. Et un soir, eh ben, il l'a étranglée dans une forêt, après une dispute. Il a été condamné à 15 ans. Mais j'ai lu dans le dossier qu'un an et demi plus tard, il avait été acquitté. Il avait un bon avocat. Mmh. Il a mis le paquet, en tout cas, lors du procès en appel. De toute façon, Ritter a déménagé ensuite. C'est lui le meurtrier. Ici, tout le monde le sait. Ah! Bon, il faut que je file. J'ai du boulot. N'oublie pas le barbecue demain. Vous pouvez venir aussi, Madame Weber. Franck peut passer vous prendre. Oui, merci. Alors? S'il vous plaît... Le meurtre a eu lieu en avril. Oui, au début des années 80. Oui, le 23 avril 1983. C'est ça. Mais alors, qui a été condamné pour le meurtre de Dorin Wojciech? Personne. Ritter a finalement été acquitté. Vous l'avez lu dans le dossier. Alors admettons que ce ne soit pas Ritter qui l'ait étranglé. Ce qui n'est que pure hypothèse. Donc depuis 16 ans, il y a un hypothétique assassin qui se promène tranquillement. Qui profite d'une liberté purement hypothétique et qui risque éventuellement de commettre un nouveau meurtre. Sauf si on prend la peine de l'arrêter. Simple hypothèse. C'est là, la maison des parents de Dorin. Le jour où elle est morte, elle allait à Commercehausen. Devant la maison, elle a dit au revoir à son père et elle est partie à pied. Salut papa. Amuse-toi bien. Merci. Elle voulait venir ici. Au concert de Ritter. Voilà, c'est ici qu'on l'a retrouvé. Mais il l'a tué là-bas. Dans la forêt. À moins de 5 minutes d'ici. Pendant la pause, il est allé la rejoindre en voiture. Ils se sont retrouvés là-bas. Ils se sont disputés, il l'a étranglé, il l'a déposé ici. Il l'a déposé ici? Pourquoi? Vous avez dit que Ritter était parti pendant la pause. Il a continué à jouer après? Oui, ce qui témoigne d'un sacré sang-froid. La pause a duré combien de temps? Une heure, de 8 à 9. Mais Madame Weber, si vous voulez savoir comment il est habillé ce jour-là, vous m'en demandez trop. Depuis la salle de concert à Commercehausen jusqu'ici, nous avons roulé 17 minutes. 17 minutes? Vous avez une sacrée notion du temps. Non, je n'ai pas du tout la notion du temps, j'ai juste pensé à regarder l'heure. Donc 17 minutes aller, 17 minutes retour, ça fait 34. Plus 2 fois 5 minutes entre la forêt et ici, ça fait 44.
Il avait donc exactement 16 minutes pour se disputer, l'étrangler et emmener le corps. Ce n'est pas très long. Ouais, mais c'est possible, je crois. Et puis, il a sans doute roulé plus vite que nous. Avec sa trabe en turbo, sur les routes des années 80. T'as de la chance. T'arrives juste pour les trois dernières, Max. Bon appétit. Merci, ça a l'air très bon. Pour délester le tronçon sud de la Hallenstrasse, ils ont dépensé pas moins de 3 millions de marks. Et pour construire quoi? Une route qui fait double emploi, 250 mètres plus loin. Et alors? Ils font quoi les gens? Voilà, ils continuent d'utiliser le tronçon sud de la Hallenstrasse. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de feux sur la bretelle de contournement et que ça ralentit le trafic. Quel est l'idiot qui a imaginé ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argent de nos impôts est gaspillé pour des choses totalement inutiles. Il n'y en a aucun qui se demande de quoi on a vraiment besoin. Cette fois, je vais vous le chercher, ce pull. Oh, c'est gentil, Madame Muller, ça ira. Ah, c'est juste les doigts. Il fait frais, hein. Oh. Pas de chance? Oui, mais t'as la chance d'avoir une collègue sympa, maintenant. Si tu le dis. Bonjour. Content que vous soyez là. Je te présente notre nouvelle collègue, Madame Weber, mon épouse. Carla Schulte, ravie de vous voir. Pareillement. Alors, Franck? C'est sympa chez vous, Rick. T'as encore de la bière? Bien sûr, j'y vais. Je t'accompagne, Rick. Oui, comme ça, tu pourras me faire visiter. C'est vraiment super ce que vous avez fait de cette pénurie. Où en est l'affaire Wojciech? Ça avance. Ouais, c'est presque bouclé. On vérifie juste quelques détails horaires. Bien. Mais n'oubliez pas qu'on a le meurtre de ce néo-nazi à éclaircir. Et j'ai besoin de toutes les forces disponibles pour ça. Compris. Vous le connaissiez depuis longtemps? Depuis que j'ai 15 ans. Oh, le ketchup. Bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà policier à l'époque où c'était encore communiste ici? Socialiste, oui. Et combien de temps un suspect résistait-il à un interrogatoire? Quoi, jusqu'à ce qu'il avoue? 8 heures, 12 au maximum. Après 12 heures, ils avouaient tous. Même Ritter. Ritter a avoué 3 fois. Et il s'est rétracté 3 fois. 3 aveux en 8 heures? Non. 3 aveux en 350 heures. Quoi? Non, je sais bien qu'on n'était pas des anges, mais quand même. Regardez vous-même. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'avais jamais vu ça. Stedburg, c'est loin d'ici? Non, pourquoi? C'est là que Ritter habite. Oui, c'est là qu'il est allé se planquer. Si son avocat n'avait pas sorti au dernier moment un témoin à décharge de son chapeau, il serait encore en prison à l'heure qu'il est. Et qu'a dit ce témoin? Qu'elle avait vu Ritter à Commershausen pendant la pause, avec une femme. Je suppose que ça en dérangeait un certain nombre de le voir s'amuser avec toutes les femmes du coin. Je pourrais avoir les clés de la voiture de service, s'il vous plaît? Pourquoi? Là-dedans, aucun autre suspect n'est mentionné. Je vais demander à Ritter si dès le départ l'enquête s'était focalisée sur lui. Venez, j'ai encore plus simple. Non, pas d'autres suspects, aucun. Par contre, on a accueilli beaucoup de témoignages. On devait en avoir plus d'une centaine. Et on les a tous vérifiés. Un par un, oui. C'est notre boulot, faut dire. Mais si en plus il s'agit de la fille d'un collègue, on met les bouchées doubles. Le père de Dorine est policier? Était. Il était lieutenant. Mais on a tout fait pour le tenir à l'écart de l'enquête. Tous ceux qui connaissaient Heinrich se doutaient que s'il avait eu le moindre soupçon, il n'aurait pas hésité à descendre Ritter.
Vous n'aviez aucune preuve contre Ritter, en fait. Normal, puisque l'enquête contre lui a été suspendue. Au moment du crime, il était soi-disant à Commercehausen en plein concert, en train de faire tourner la tête aux filles. Mais alors, pourquoi a-t-on arrêté Konrad Ritter 2 ans après les faits? À cause de la déposition de son ex-maîtresse. Oui, Nora Rink. Elle s'est présentée aux autorités en s'accusant d'avoir aidé Ritter à transporter le corps de Dorine du lieu du crime jusqu'à l'endroit où il a été retrouvé. Et elle a mis 2 ans à s'en souvenir, c'est ça? Elle voulait soulager sa conscience. C'est la raison qu'elle nous a donnée. Mmh. Et là, vous avez réouvert l'enquête. Oui, mais heureusement, ça a été vite réglé, parce que on était pris sur d'autres affaires. Ritter a finalement été condamné. Mais ce salaud, il est allé en appel. Et 1 an et demi plus tard, faute de preuves, il a été acquitté. Oh, mais une chose est sûre, c'est que par ici, il n'a plus jamais osé remettre les pieds. Au fait, saviez-vous que Konrad Ritter a été interrogé pendant 350 heures? Ah bon? Mais qui aurait fait ça? C'est impossible. Non, c'est... On faisait jamais des interrogatoires aussi longs. Il y a forcément une erreur. Et voilà, c'est ce que je disais. C'est une erreur. Ouais, regardez. Ça n'a pas été contresigné. Bonjour. Yvonne Weber, police judiciaire. Et voici mon collègue. Je ne parle plus aux policiers. C'était son idée. Je n'ai rien à voir avec les enquêtes d'autrefois, monsieur Ritter. Écoutez, j'ai été chargée de reprendre l'affaire Dorine Wojciech. Je ne suis pas d'ici. Et j'aimerais découvrir ce qui s'est réellement passé. Et lui, là? Je suis de la PJ d'Eisenach et j'ai grandi ici. Faites-moi confiance. Confiance? Comme à vos chers collègues d'autrefois. Vous avez déjà été assise pendant des heures sur un tabouret planté de vis qui vous transperce le cul. Ils appelaient ça un interrogatoire, une bande de sadiques. Commencez donc par eux. Et alors? Bah, il a parlé d'un tabouret. Un tabouret avec des vis. Jamais vu un tabouret de ce genre-là. Quoi, Ritter, t'as vraiment raconté ça? Quel salaud. D'abord, il tue cette pauvre gosse, et maintenant il chie sur la police sans aucune gêne. C'est vraiment un salaud. Voilà. Tenez, savez-vous. T'es adorable. Contre qui vous râliez comme ça? Contre personne. Ritter. Konrad? J'arrive pas à croire qu'il y a des gens prêts à allonger autant de blé pour une vieille bagnole comme ça. Personne n'a besoin de savoir ce qui se cache sous le vernis. Je vais me chercher une bière. Bonjour. Bon, je vais essayer de voir si on peut vous trouver un autre bureau, ok? Mais non, c'est sympa ici. Oui, c'est aussi ce qu'a dit mon ex quand elle a débarqué chez moi. Pardon? Il y a du café, je viens de le préparer. Servez-vous. Merci. Bernd Peters, ça vous dit quelque chose? Je devrais connaître. Bah, c'est le néo-nazi qui a été abattu et sur lequel on est censé enquêter. Je vois. Eh bien, moi, j'ai pris la peine d'éplucher le dossier Wojciech, dont personne, apparemment, ne veut plus entendre parler. Oui, parce que c'est clair. Bonjour. Salut. Je sais parfaitement quelle est votre position sur cette affaire. Je peux comprendre aussi que vous soyez pressé d'arrêter l'assassin de cet extrémiste de droite avant qu'il ne déclenche la Troisième Guerre mondiale. Mais écoutez, ce dossier fait mention de rapports et de procès-verbaux que nous n'avons pas. Ou alors, je suis trop bête pour les trouver. Ben voilà, ça doit être ça. Pardon? Bon, d'accord. Ok.
Je vous donne un dernier coup de main sur ce dossier. Ensuite, on se calme. Ok, d'accord. Ensuite, on se calme, je vous le jure. Allez, prenez vos affaires. On va à Gotha. S'il manque effectivement des pièces, on les trouvera aux archives centrales. Allez, venez. Vous êtes déjà venu ici? C'est juste là-bas. Pardon. Non, mais faites attention, enfin, regardez où vous marchez. Oui, excusez-moi. Allez, on est en retard. Monsieur Wolf, vous venez? Je suis vraiment désolée que vous ayez été obligé de vous déplacer exprès pour ça. Normalement, on envoie directement les dossiers complets aux services qui en font la demande. Mais là, il y a dû y avoir un souci, quelque chose qui a été oublié. Ou alors, Eisenhower n'a pas demandé le dossier complet. Voilà. Ils sont là. Vous voulez tout emporter? Tout, oui. On vous les apporte dans la cour, si vous voulez. C'est plus pratique pour les charger dans la voiture. Ok. Ce sera plus court par là. On a vu le tabouret. Quel tabouret? Le tabouret avec lequel Konrad Ritter a été torturé. Du nouveau dans l'affaire du néo-nazi? Non, Wolfgang. On vérifie encore quelques éléments dans l'affaire Wojciech. Et ce tabouret, il existe, tu sais. Mais quel tabouret? Tu sais, la chaise avec des vis dont nous a parlé Franck l'autre soir chez moi. Ritter, tu sais, non? Je l'ai vu de mes propres yeux, dans les archives, à Gotha. À Gotha? Je voulais vérifier deux, trois éléments et j'ai demandé à Monsieur Wolf de m'accompagner à Gotha pour chercher ce qui manquait. Oui, je comprends. Bon, alors, maintenant tâchez de vous concentrer sur l'affaire du néo-nazi. Mais on doit d'abord... Écoutez, votre enquête complémentaire ne ressuscitera pas Dorine. Et dans l'affaire du néo-nazi, un assassin se promène en toute liberté. Et dans l'affaire Wojciech, peut-être aussi. Si Ritter n'a pas tué Dorine, le vrai coupable est toujours en liberté. Franck, je t'en prie. Nora Rink a très clairement déclaré qu'elle avait elle-même aidé Ritter à déplacer elle le corps. Elle a agi par jalousie, peut-être. Deux ans après les faits. Viens avec moi. Franck, je n'ai jamais vu ce tabouret. Mais il a pu arriver que l'un ou l'autre ait la main qui lui échappe. À toi aussi. Moi, je me contrôle toujours. Nous avions le témoignage de Rink, nous savions que Ritter était l'assassin. Mais ça risquait d'être juste au tribunal, alors il fallait qu'on obtienne des aveux. Et sous la contrainte, si besoin? Qu'est-ce qu'on aurait dit aux parents de la prochaine jeune fille morte assassinée, hein? C'était trop risqué de laisser courir. C'était comme si on mettait une grenade dans le bac à sable d'un square où jouent des enfants, en espérant que tout se passe bien. Oui, mais il n'y a pas eu d'autres victimes. Oui, justement, et ça ne colle pas vraiment avec l'idée d'un soi-disant assassin en liberté que ta coéquipière t'a fourré dans le crâne. Mais ça n'accuse pas non plus Ritter qui a été libéré après 18 mois. Quoi qu'il en soit, nous avons fait notre travail consciencieusement et Ritter a été condamné. Et si j'avais repéré la moindre anomalie, je n'aurais jamais lâché l'affaire, tu sais. Franck,
Tu sais que c'était Conrad Ritter. Boucle-moi ce dossier et fais ton rapport. Et qu'est-ce que je dois écrire dans ce rapport ? La vérité. Aucune nouvelle preuve, aucun nouvel indice. Alors ? Rien. Schulte m'a assuré qu'il n'avait jamais vu ce tabouret. Et vous le croyez vraiment ? Wolfgang est le meilleur criminaliste que je connaisse. Un vrai professionnel. Et oui, je le crois. J'ai découvert autre chose dans les dossiers de Gotha. Vous commencez à me gonfler. À vous gonfler ? Oui. Vous me gonflez, c'est ça. Vous me gonflez vraiment. Monsieur Wolf ! J'ai découvert un truc super important dans le dossier. Quelque chose qui laisse supposer qu'on a affaire à un complot. C'est un... Mais oui, c'est une question d'horaire. Vous aviez ça en RDA ? Des horaires ? Bah oui, on faisait même des enquêtes judiciaires chez nous. On passait pas nos journées à se chercher des poux dans la tête pour passer le temps. Ok, une dernière question. Et ensuite, l'affaire est close. D'accord. D'accord. Une dernière question. Et avant la fin du service. Oui. Alors. Voilà, c'est là. Alors, ma dernière question est... Lors du procès en appel, l'avocat de Ritter, aujourd'hui décédé, a demandé à Madame Rink de mimer les gestes effectués lors du déplacement du corps. C'est ça votre question ? Non. Mais elle n'a même pas été capable de soulever le mannequin qui représentait la victime. Et en plus, elle connaissait le lieu où le corps a été découvert, mais pas le lieu du crime. Madame Weber, quand vous posez une question, eh ben, il faut accentuer le dernier mot. Comme ça, par exemple. C'était votre question, Madame Weber ? Non, je... Bon, j'ai compris. Ma dernière question. Ma dernière question. C'est quoi la subdivision 1 ? Qui est-ce qui l'a dirigé ? Ce sont eux qui ont pris l'affaire en main. Sous la direction de... voilà, un certain Karl André. C'est quoi la subdivision 1 ? C'est le département de liaison entre la police et le ministère de la Sécurité d'État. Ce qui veut dire ? Que la Stasi a repris l'affaire en main. La Stasi ? Mais pourquoi eux ? J'en sais rien. La subdivision 1 intervenait systématiquement lorsqu'un policier était appelé à comparaître, ou lorsqu'il était inculpé. Bonjour, monsieur André. Bonjour. Hé, hey, Franck, qu'est-ce que tu fais là ? Karl. Vous venez voir comment fonctionne un poste de police moderne ? On voulait te parler au sujet du meurtre de Doreen Wojcik. C'est vous qui avez repris l'affaire à l'époque. Et c'est bien vous qui avez pris la déposition de Nora Rink. Oui, oui, l'affaire Wojcik n'a pas été classée depuis longtemps ? Oui, c'est une de ces affaires non élucidées qu'on nous a demandé de réexaminer. Ah oui ? Nora Rink avait bien été jugée et condamnée à un an de prison pour dissimulation de crime. Oui, elle a purgé 9 mois et après la réunification, elle est partie au Brésil. Oui, mais pendant l'interrogatoire, est-ce que on vous avez on t'a confié l'affaire de... parce que tu étais directeur de la subdivision 1. Mais pourquoi ? Il n'y avait rien de politique dans le meurtre de Doreen Wojcik. Quand un gars de la maison était impliqué, la Stasi se chargeait de l'affaire. Et qui était le gars de la maison impliqué dans cette affaire ? Le père de la victime, lieutenant Heinrich Wojcik. Et qui vous a transmis l'affaire ? Mon contact de l'époque. Il est à la retraite. Son nom ? Commandant Bölke. Bonne fin de journée.
Tenez. Merci. Y a pas de maillot ? Monsieur Schulte était déjà chef de service ? Oui, mais pas depuis longtemps. Et maintenant, on sait que c'est la subdivision qui a repris l'affaire. André est aujourd'hui fonctionnaire d'État, bien qu'à l'époque, il ait travaillé pour la Stasi. Oui, c'est vrai, il était collaborateur officieux, mais il n'avait pas le choix en tant qu'agent de liaison entre la police et la Stasi. Pas le choix ? J'y crois vraiment pas. Il devait certainement y avoir d'autres possibilités. Ouais. Il aurait pu démissionner de son poste et aller vendre des saucisses au bord du lac, mais ça lui disait rien. Alors il a dû jouer le jeu. Dites, est-ce que je vous gonfle encore ? Moi. Merci. Karl m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit que vous étiez passé le voir à Gotha. Vous imaginez quoi ? Vous pensez qu'on a manipulé les témoins ? Personne n'a jamais dit ça. L'affaire a été confiée à André, et après André, à la Stasi. Si vous voulez creuser, c'est de ce côté-là. C'était vous, ça ? Bonjour à vous aussi. C'était moi quoi ? Où sont les dossiers ? Aucune idée. Ils n'étaient plus là quand je suis arrivée au bureau ce matin. Dans le cadre de cette enquête, je voudrais... Oui ? Les dossiers ont disparu. Je sais, oui. Le parquet de Gotha nous les a demandés. Pour procéder à des recoupements avec un crime commis récemment. Et ils nous les renverront après examen. C'est-à-dire quand ? Je ne sais pas. Mais d'ici là, je vous demande à tous les deux, puisque je suis le directeur de ce service, de vous occuper de l'affaire Bernd Peters. Et cela avant qu'il ne soit incinéré. Qui a réclamé les dossiers à Gotha ? C'était un certain... Ah oui, là. Kleinert. C'est incroyable, ça. Le tonnerre est encore vide. Kleinert était le procureur responsable des procès contre Konrad Ritter. Oui, je sais. N'est-ce pas un drôle de hasard que ces dossiers traînent pendant des années à Gotha et le lendemain du jour où... Oui, c'est étrange. Et comment on fait maintenant ? Sans les dossiers, on peut rien faire. Et que diriez-vous d'une casse-pied qui les aurait photocopiés, hein ? Quand ça ? Cette nuit. Eh bien, je n'oserais jamais la traiter de casse-pied, c'est sûr. Et vous regretteriez aussi de lui avoir dit qu'elle vous gonfle. Oui, aussi. Vous aimez les canards ? Allegro doux. Alors, le meurtre a lieu en 1983. Ritter, en tant que petit ami de Dorine, est soupçonné, mais ça ne peut pas être lui, puisqu'à l'heure des faits, il était sur scène devant plus de 100 personnes. Mais 2 ans plus tard, il est incriminé par Nora Rink, et là, il est condamné. Tout à coup, on considère que Ritter avait eu le temps de commettre le meurtre. Il y a un truc qui cloche avec les horaires, je comprends pas. Bingo !
En 1985, quand Nora Rink a accusé Ritter, un procès a été ouvert. Et le médecin légiste, qui 2 ans avant avait estimé l'heure de la mort à 20h, déclare 2 ans plus tard que Doreen est morte à 20h45. Et Ritter pouvait donc être l'assassin. La pause commence à 20h, ce qui veut dire qu'il a 1 heure devant lui pour la rejoindre, la tuer et retourner au concert. Le médecin légiste s'appelle Winfried Meinhardt. Vous le connaissez? Mm-hmm. Je connais quelqu'un aux archives de la Stasi. Je vais lui demander des infos sur ce Meinhardt. Oui, mais il devait bien y avoir d'autres éléments pour étayer les déclarations de Rink. Quel est le témoin qui a vu Doreen pour la dernière fois? Attendez. Dorothea Schwartz, domiciliée à Erlesbach. C'est là que j'ai vu Doreen. Un peu après 19h. Je m'en souviens encore. C'était juste après mon émission préférée, à la télé de l'Ouest. On a le droit de le dire aujourd'hui. Et donc je suis allée le signaler à la police. Ça fait un foin pas possible, cette affaire. Mais dans le dossier du procès, en 85, il est écrit que vous aviez vu Doreen peu après 8h, 1 heure plus tard, donc. Il y a quelqu'un de chez vous, un policier, qui est revenu à la charge. Il disait que c'était très important à cause du procès et... Comment il s'appelait? Son nom? Oh, ma mémoire. Oh. Son nom, c'est un prénom, je me souviens. Il parlait tout le temps. André. André. Oui. Il avait un drôle de regard, pas sympathique du tout. Mais dites-moi, il est mort? Non, il est toujours aussi bavard. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il voulait savoir s'il n'était pas plutôt 20h10 quand j'ai vu Doreen devant chez moi. Et du coup, je n'étais plus très sûre. Et d'après cet homme, ce... André! Si j'avais vu Doreen après 8h, ça collerait mieux avec ce qu'ont dit les autres témoins. De toute façon, peu importe à quelle heure je l'ai vu, moi. Puisque quelqu'un l'a encore vu à Gerstingsfeld, plus tard. Il s'est pas mentionné dans le dossier? Je sais juste que Madame Muller l'a vu ce soir-là à Gerstingsfeld, un quart d'heure plus tard. Madame Muller était une collègue de travail de Doreen. Ça l'avait drôlement retourné à l'époque que Ritter ait assassiné cette pauvre gosse. Rieke Müller? Oui. J'ai appris que tu étais la dernière personne à avoir vu Doreen, c'est vrai? Oui, un peu après 7h30. Elle est passée là, on s'est dit bonjour de loin. Et vous êtes sûre de l'heure? Oui, certaine. Avant de regarder les infos, j'avais l'habitude de sortir pour m'en griller une. Mais rien de tout ça ne figure dans le dossier. T'as été convoquée en tant que témoin au procès? Mmh. Et votre déposition, qui est-ce qui l'a prise? Ben, mon mari. Et Monsieur Foss. T'étais encore là 1 heure plus tard? Non, non, je suis allée au concert. Lutz était en vadrouille avec ses gars, j'ai pris la Trabant. Mmh. Et vous n'avez pas croisé Doreen sur le chemin de Commercehausen? Ben non, sinon je l'aurais prise avec moi. Résumons. Le médecin légiste décale l'heure de la mort pour la faire coïncider avec l'heure de la pause, ce qui permet d'incriminer Ritter. Et ensuite, il trafique les dépositions. Hmm. On fait dire à Madame Schwartz qu'elle a vu Doreen après 20h, on escamote le témoignage de Rieke Müller. Et tout à coup, le timing colle à 100%. Ritter peut être le meurtrier. Et ce complot dure jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il couvre un meurtrier? Possible. Mais surtout parce que le temps joue en leur faveur. Dans un peu moins d'un an, le 3 octobre 2000, ce sera le 10e anniversaire de l'unité allemande. Et tous les délits d'entrave à la justice, commis en ex-RDA, seront prescrits et les personnes impliquées ne pourront plus être poursuivies. Il ne nous reste donc plus beaucoup de temps. Vous croyez que Schulte a trempé là-dedans? Et maintenant? J'ai du sommeil en retard. Thank you.
contente que vous soyez venu. On a de la chance. Voilà. Allez-y, vous connaissez la maison. Merci. Franck. Carla. Mon garçon, je suis contente que tu sois venu. 30 ans que tu le supportes, comment tu fais? C'est l'amour, mon garçon. Qu'est-ce que tu trimballes, là? C'est pour vous. Non. Si. Oh, Franck, comment as-tu eu cette idée? D'après toi, depuis le temps que vous nous rabattez les oreilles sur les bons moments que vous avez passés là-dedans pendant votre lune de miel. Oui. Ah, Franck, c'est magnifique, ça nous fait vraiment plaisir. On lui trouvera une place d'honneur dans le jardin. Merci. Allez, viens manger quelque chose. J'ai préparé du rôti grillé, ton plat préféré. Alors? Oui. C'est bon? Mmh. Dis-moi, Wolfgang m'a dit qu'avec ta nouvelle collègue, vous repreniez l'affaire Ritter depuis le début. Mmh. Tu crois que ce n'était pas lui? Pas aucune idée, je... Tu le connaissais? De vue seulement. Toutes les femmes de la région le connaissaient d'une façon ou d'une autre. Carla! Ah, Christa, je reviens. Oui. Tiens, mon garçon. À ta santé. Wolfgang, Madame Weber et moi, on a tout vérifié. Le dossier a été sacrément trafiqué. Certains témoignages ont été modifiés et d'autres, les plus importants, ont été retirés du dossier. Tout ça pour qu'on puisse désigner un seul coupable. Ritter. Et tu as des preuves de tout ça? Oui. Mais il faudrait que tu les transmettes au parquet. Ce serait ton devoir, Franck. J'espérais que seule la subdivision 1 serait concernée. Elle seule, mais bon. C'est toi qui dirige l'enquête. Encore un an, Franck. Et ce sera la retraite pour moi. On aura fini de payer la maison. Car là, elle ne peut plus travailler. Un policier doit enquêter. C'est toi qui me l'as dit. Tu sais, je me souviens d'un garçon qui a perdu toute sa famille à l'âge de 15 ans. Il a été envoyé dans un foyer, et là, il s'est retrouvé face à lui-même et fait plein de conneries. Et tu sais, si à l'époque, je m'en étais tenu à la loi, tous ses délits auraient été inscrits à son casier judiciaire. Et plus tard, ce garçon est devenu policier. Mais avec un casier, ça n'aurait évidemment pas été possible, Franck. Tu pourrais m'aider, non? Tu pourrais essayer de me faciliter les choses. C'était la subdivision 1, non? C'était la subdivision 1, c'est ça? Allez, comme ça on clôt ce dossier convenablement. On est une famille, Franck. Et si tout d'un coup on cesse de l'être, alors on ne sera plus rien. N'en fais pas une affaire personnelle. Wolfgang, Ritter a essayé de se suicider tout de même. Voilà jusqu'où vous l'avez né. Il aurait mieux valu pour tout le monde que ça finisse comme ça, crois-moi. Tu vois, Carla, c'est tout ce que j'ai, c'est ma femme. Et c'est la seule chose qui compte, tu sais. Thank you.
Alors, t'en veux une? Peut-être que toi, tu peux m'aider sur l'affaire Dorine Wojciech. Quoi? Vous êtes encore là-dessus? Il s'agit du témoignage de Rieke. Elle a dit parfaitement ce qu'elle a dit. Qu'elle a vu Dorine ce soir-là. Oui, mais ça ne figure pas dans le dossier. Tout le monde pense que c'est Madame Schwartz qui l'a vue pour la dernière fois. Oui. De toute façon, elle est morte, non? À l'époque, j'ai pris sa déposition et j'ai suivi la procédure normale. J'ai fait suivre. Alors, si le parquet n'a pas versé la pièce au dossier, renseigne-toi là-bas. Tu sais, mon copain des archives, il a pu me donner quelques renseignements. Le médecin légiste, Meinhardt, avait déposé 2 demandes d'émigration avant le meurtre de Dorine Wojciech, qui lui ont été refusées. Et 2 semaines après qu'il ait modifié l'heure de la mort en l'avançant de 45 minutes, il a eu le droit de partir avec sa famille. Je vous crois, monsieur Ritter. Et alors? J'ai juste encore 2-3 questions. Fréquentiez pas mal de femmes à l'époque. Quand je me baladais, tantôt avec l'une, tantôt avec l'autre, les gens du coin me regardaient de travers, surtout les hommes. Et quand j'avais une relation stable, ça leur plaisait pas non plus. Pourquoi Nora Rink vous a accusé 2 ans après le meurtre? Nora, elle aurait bien aimé que je l'épouse. L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Non, je me voyais pas vivre avec une seule nana. Sauf avec Dorine. Avec elle, c'était vraiment autre chose. On s'est rencontrés 4 mois avant sa mort. Tu nous en mets 2? On formait un couple. Oh, pardon. Avec Dorine, j'étais prêt à changer de vie. C'est absurde. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Enfin, quoi qu'il en soit, la veille du jour où Nora a témoigné, j'avais rompu avec elle définitivement. Ce que j'aurais peut-être pas dû faire. Ce qui signifie que Nora Rink a agi par jalousie? Qu'est-ce que j'en sais? Nora avait une tendance à l'autodestruction. Après la mort de Dorine, elle s'est mise à espérer. Nora a préféré aller en tôle plutôt que de supporter que je vive sans elle. Tout le monde avait beau savoir que je pouvais pas l'avoir tuée. Aux yeux de tous, c'était moi l'assassin. C'est presque comme s'ils avaient voulu dire « Tu l'as bien mérité pour toutes ces femmes que tu t'es tapées et que t'as laissé tomber. Pour ta vie de musicien. Pour tous les hommes que t'as rendus cocus. Pour tout ça, maintenant, tu vas payer. » Et avec le témoignage de Nora, ils avaient enfin du concret. Ils ont pu m'arrêter. Le tabouret.
Combien de temps on tient le coup là-dessus? Tu peux te débrouiller comme tu veux. Les vis s'enfoncent dans ta peau, et tu la sens qui se déchire. T'es prêt à tout pour pouvoir te relever. Même à dire oui, c'était moi. J'ai avoué le meurtre 3 fois. Et vous vous êtes rétracté 3 fois. Si je reprends le dossier de A à Z, vous seriez prêt à témoigner devant le tribunal? Quel intérêt? C'était pas vous. Je sais que c'était pas vous. Vous êtes bien le seul à y croire. Même après mon acquittement, tout le monde m'évitait. Même mes amis. Le téléphone ne sonnait plus, et quand il sonnait, c'était... Ritter. On t'aura, espèce de salaud. On va te faire la peau. J'étais libre aux yeux de la loi. Mais à Gerstingsfeld, je pouvais plus l'être. C'est pour ça que je vis ici maintenant. C'est tellement isolé qu'on peut pas m'exclure davantage. Alors bon... Qu'est-ce que ça change pour moi si vous reprenez l'affaire? Je resterai l'assassin de Dorine toute ma vie. Pas si je trouve le vrai meurtrier. Et si je fais en sorte que justice soit rendue. Monsieur Ritter. Qui s'en est pris à vous pendant les interrogatoires? De qui est-ce que je dois me méfier dans mes investigations? Müller. André et Bulke. Bulke. Un gros bonnet de la Stasi, un vrai salaud. Ah oui, je me souviens, j'étais en formation dans son service. Il voulait m'obliger à me raser la moustache. Avec la méthode des bottes en caoutchouc. Allez! Allez! Mène-toi! Bulke m'a forcé à enfiler des bottes en caoutchouc remplies d'eau glacée. En moins de 10 secondes, tes pieds sont comme morts. Et André? André m'a donné des détails que seul l'assassin pouvait connaître. Attention, Dorine portait une petite culotte blanche, tout en dentelle. Il a serré tellement fort, et elle s'est évanouie, elle n'a même pas Monsieur pu se Ritter, défendre. Parce que... Et la ceinture, elle s'est de nouveau accrochée au menton. Il n'a pas arrêté de me bassiner, comme un chien qui aboie pendant des heures. De nouveau accroché au manteau. Jusqu'à ce que moi-même je sois convaincu d'être le coupable. Müller? Lutz Müller? Assis. Ah! Encore une fois, alors est-ce que c'est toi qui as tué Dorine? Mais tu la baisais, non? Tu t'imagines que tu peux baiser toutes les nanas, c'est ça? Ah! Ce Müller, il m'a particulièrement soigné. Il a failli m'arracher les couilles. Schulte aussi vous a interrogé? Schulte. C'était le pire de tous. Un sadique qui a toujours le sourire. Il a envoyé ses collègues faire le gros œuvre et il s'est pointé après. Du genre très amical. Paternel. Il m'a offert des cigarettes. Il m'a donné à boire. Et ensuite il a dit « Allez mon garçon, on sait. Avoue que c'est toi qu'on en finisse enfin. » On va au lac. Quand je pense que j'ai travaillé toutes ces années avec ces types-là. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Ritter ne sera vraiment blanchi que quand on aura trouvé le vrai meurtrier. Oui, mais on n'a rien contre eux. Müller, Schulte, André, ils se serraient les coudes à l'époque et ils continuent de le faire. Mais au fait, vous avez interrogé Ritter sur cette femme qui a témoigné en sa faveur lors du procès en appel.
Elle habite pas loin d'ici. Ben alors ? Lors du premier procès, en 85, la déposition que j'avais faite n'a pas été utilisée. C'est un euphémisme, Madame Martens. Elle a carrément été retirée du dossier. Du sucre ? Du lait ? Volontiers. Mais au second procès, en 87, au cours duquel Ritter a été acquitté, vous vous êtes déplacé personnellement pour témoigner directement devant le tribunal ? Oui, j'ai trouvé ça bizarre. Je travaillais à la douane. Et ce jour-là, un homme a téléphoné à mon supérieur. Il lui a juste dit qu'une voiture passerait me prendre pour m'emmener au tribunal. Et quelqu'un est venu. Merci. Mon supérieur m'a laissé partir, mais personne ne s'attendait à me voir au tribunal. Et ils ont accepté de vous laisser témoigner ? Oui, ils auraient pu refuser. Mais comme je travaillais aux douanes, ils n'avaient pas le choix. Il fallait bien qu'ils m'écoutent. Et mon témoignage a sauvé Ritter, mais si cet homme n'avait pas téléphoné, je n'y serais jamais allée. D'ailleurs, je n'ai jamais su qui c'était. Donc vous avez vu Ritter pendant la pause ? Oui. Il était 8h30. Je m'en souviens, j'étais en retard. J'avais pris mon vélo. Et je l'ai déposé à côté des toilettes. Et vous êtes sûr que c'était Ritter ? Et sûr que c'était une femme. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cette femme, elle, n'a jamais témoigné ? Vous savez qui c'était ? Je n'ai pas vu grand-chose d'elle. Avec ce témoignage, Ritter ne pouvait avoir commis le meurtre ni avant 8h30, ni après, puisqu'il était de retour pour le concert. Et en 87, quelqu'un a envoyé Madame Martens au procès pour que Ritter soit libéré. Cette femme qui s'est envoyée en l'air avec lui ce soir-là aurait pu le disculper et elle a gardé le silence. Parce que Ritter ne veut pas dire qui c'est. Il aurait pu la faire citer en tant que témoin, mais il l'a pas fait. Parce qu'il voulait la protéger ? Peut-être. Il y a encore un témoin qu'on n'a pas interrogé. Walter Voss. Alors, comme ça, vous voulez mettre la main sur le coupable. Alors, ça, c'est le comble. On voudrait surtout que Konrad Ritter soit enfin blanchi. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Que voulez-vous savoir ? Pourquoi vous a-t-on retiré l'enquête, Monsieur Voss ? Eh bien, juste après le meurtre, j'ai suivi une piste concernant un dénommé Anton Mesmer. À l'époque, il était responsable du parc automobile. Il travaillait pour la police du peuple. Et il était président de la coopérative de chasse. Qu'est-ce qui vous a amené à le soupçonner ? Pour commencer, j'ai interrogé tous les chasseurs de la région. J'ai mal aux jambes. Il faut que je marche un peu. Sinon, elles deviennent toutes raides. Allez, venez. C'est là que Dorine a été assassinée. Nous avons pu le déterminer grâce au prélèvement de sol que nous avons fait. Mais le meurtrier n'a pas laissé le corps ici. Il l'a transporté ailleurs. Parce qu'ici, quelque chose aurait pu le trahir ? Un détail ? Oui. Un détail très compromettant. C'était le terrain de chasse de Mesmer ? Oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas lâché. Et à 8 heures ? Tu étais où à 8 heures, Anton ? Tu n'es pas sérieux, là ? Réponds à ma question. Où est-ce que tu étais à 8 heures ? J'étais dans ma voiture, en train de rouler. Sur les chemins forestiers ? Oui ! Sur les chemins forestiers ! Tu es passé par où, exactement ? Mesmer habitait là, à Gutsroda. Tout ça, c'est son terrain de chasse. Et là, c'est le lieu du crime. C'est à environ 4 ou 5 kilomètres de chez lui. Et ce chemin, il l'a fait dans l'après-midi. Puisqu'il nous a dit qu'il partait à la chasse vers 3 heures. Ce qui nous a été confirmé par sa femme ensuite. Ce soir-là, par contre, il prétend être passé par ici, là. Ce qui n'est pas du tout le chemin qu'il emprunte habituellement. Non, il fait une grande boucle qui passe par Kummershausen et Marxleben. Mais par là, il n'y a qu'un seul chemin forestier. Il est donc obligé, pour rentrer chez lui, de faire 15 à 20 kilomètres de détour.
Pourquoi as-tu fait cet énorme détour ? J'ai fait le tour de ma chasse. Ta voiture, c'est une Wartburg, je crois, non ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi cette question ? Eh bien, on ne s'aventurait pas sur les chemins forestiers avec ce genre de voiture. Ils n'étaient pas entretenus comme aujourd'hui. Ça aurait abîmé le bas de caisse ou arraché le tuyau d'échappement. Et puis en plus, j'ai interrogé Anya Martens, un témoin qui, à peu près à la même heure, a fait exactement le même trajet à vélo, si ce n'est qu'elle l'a fait dans l'autre sens. Et elle n'a croisé personne sur son chemin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Un policier n'avait pas le droit de mener une enquête contre l'un de ses collègues. Alors, le dossier a été repris par l'autre pipelette de la subdivision 1. Carl André. Et de là, il a été transféré à la sécurité de l'État, chez Bulk. Et vous savez comment ça s'est terminé ? Non, je n'en ai plus entendu parler. La piste Mesmer n'est plus jamais sortie du ministère. Moi, on m'a confié d'autres missions. Et Mesmer n'a bien sûr jamais été arrêté. Déjà à l'époque, ça sentait la magouille à plein nez. C'est pour ça que j'ai conservé un échantillon des cheveux de Mesmer. Des cheveux prélevés sur sa casquette. Mais il n'y avait pas encore de test ADN ? Non, il n'y avait que des tests de groupe sanguin. Nous avions trouvé deux cheveux sur le manteau que portait Dorine ce jour-là et... nous nous sommes tout de suite dit qu'il y avait de fortes chances qu'ils proviennent de l'assassin. En tout cas, ils ne provenaient pas de Dorine, c'est une certitude. Nous l'avons vérifié. Et où sont-ils ? Les cheveux trouvés sur le manteau et sur la casquette ? Ils ont été emportés à Gotha à l'époque, mais ils ne sont plus là-bas. Et sans cheveux, pas de preuves. Bon. Si Anton Mesmer a été couvert, comme tout porte à le croire, quelle est la vraie raison ? Parce qu'il était chef des transports ? Policier ? L'un des vôtres ? Vous connaissez le pavillon de chasse qui se trouve un peu plus loin ? Voilà. On y est, c'est là. Sacrément isolé. Ce pavillon était une sorte de secrète polichinelle à l'époque. Là, on était en plein milieu de la zone frontière. Il était très rare que des civils viennent s'égarer par ici. Ici, c'est Bulke qui faisait la loi. Le type de la sécurité de l'État. C'est ici qu'ils organisaient leurs fêtes, et ça y allait. Ils se faisaient livrer à boire et à manger depuis le village. Et les serveuses, elles... restaient parfois plus longtemps. Exact. Pour la baise ? Oui, et maintenant devinez qui s'occupait du terrain de chasse où se trouve cette maison. Mesmer. La Stasi reprenait en main les affaires où des policiers étaient impliqués, c'est bien ça ? On croyait que c'était parce que le père de Dorine était policier que Bulke avait repris l'affaire. Mais en fait, c'est parce que Mesmer était impliqué. Ouais, c'est fort possible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bientôt, il y aura prescription. On va tous les épingler cette fois. Bon, bah, vous n'avez plus besoin de moi, je peux retourner chez moi. Merci. Allez. Monsieur Foss, une dernière question. L'homme qui a téléphoné pour demander à Madame Martens de se rendre au tribunal, qui était-ce ? Il a dit qu'il s'appelait Erich Milke. Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonsoir, monsieur. Police criminelle d'Eisenach. Monsieur le procureur, nous enquêtons sur le meurtre de Dorine Wojciech. Wojciech ? Je vous connais, vous ? À l'époque, il y avait une piste Mesmer. Quoi ? Une piste Mesmer ? Non, ça ne me dit rien, non. Je suis désolé. Vous ne vous souvenez pas d'un suspect du nom de Mesmer ? Vous êtes sûr ? Vous savez, j'ai plus de 400 procès derrière moi. C'est tout ? On peut aussi vous convoquer si nécessaire. Même dans le cadre d'une audition, mademoiselle, je ne me souviendrai pas d'une soi-disant piste Mesmer. Qu'est-ce que vous y gagneriez ? Monsieur Kleinert, une dernière chose. Pourquoi avez-vous demandé qu'on vous renvoie les dossiers du meurtre de Dorine Wojciech ? Moi, j'ai fait ça ? Je ne m'en souviens absolument pas.
Allez, bonne soirée. Connard. Carl. Qu'est-ce que c'est ? Une convocation. On sait qu'il y avait une piste Mesmer. C'est Walter Voss qui nous en a parlé. Oui, c'est vrai, mais je l'ai tout de suite transmise au ministère, à Bulke. Et qu'est-ce que ça a donné ? Rien. Ensuite, Ritter a été condamné. Puis acquitté. Écoutez, Mesmer était chef des transports. Il connaissait tous les policiers, et en particulier Heinrich Jurecek. Ok. Alors, admettons qu'Anton Mesmer soit un meurtrier. Vous pensez vraiment qu'il s'en serait pris à la fille d'un de ses collègues ? Est-ce qu'on peut être con à ce point, mademoiselle ? Je ne crois pas. Et cette convocation, Franck ? Ça veut dire quoi ? Vous déraillez ? Vous êtes tombé sur la tête ! Bon. Moi, c'est Bulke. Weber et Wolf ? Oui ? J'ai uniquement répondu à votre convocation pour voir à quel genre de crétin j'avais affaire. Modérez votre ton, monsieur Bulke. Pour qui vous prenez-vous, hein ? Vous pouvez retourner dans votre patelin pourri d'Allemagne de l'Ouest. Et vous, là ? C'était pas vous que j'avais en formation ? Cette espèce de connard récalcitrant qui a pas voulu se raser la moustache. Ouais, c'était moi. Exact. Alors, venons-en à l'affaire Dorin Wojciech. Monsieur Bulke, Carl André a déclaré avoir eu connaissance d'une piste d'investigation concernant un dénommé Anton Mesmer, un gars de la police. Et il a déclaré également vous avoir remis le procès-verbal de l'interrogatoire de Mesmer et vous lui auriez dit que, bien sûr, vous alliez prendre connaissance du dossier et poursuivre l'enquête. Alors, qu'en dites-vous ? Des conneries ! Voilà ce que j'en dis ! Mais toi, je vais te dire autre chose. Au coin de la rue, il y a un vendeur de voitures d'occasion, tu vois ? Et si tu penses que ton boulot, c'est de venir faire chier des ex-collègues, tu vas te retrouver là-bas vite fait, et tu vendras des bagnoles pourries à je sais quel crétin ! Si vous ne me lâchez pas tout de suite, je vous arrache vos petites couilles toutes flétries, c'est pigé. Flétrie ? Elle est bonne, celle-là. Ben dis donc, incroyable. Il se prend pour qui, lui ? C'était comme ça à l'époque. Bulke était un gros bonnet de la Stasi. Il était intouchable. La chute du mur, ça l'a dégoûté. Il regrette le bon vieux temps. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Demande à Wolfgang. C'est lui qui a dit que je devais récupérer toutes les copies des dossiers de l'affaire Wojciech. C'est pas moi. Mais ces copies, ce sont les miennes. Ah, ça aussi, ça en fait partie ? Reposez ça tout de suite ! Lâchez ça ! Dégagez ! Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, hein ? M'asseoir sur un tabouret ? M'arracher les couilles ? Hein ? Il aurait mérité bien pire que ça ! Tu sortiras aucun document d'ici, Lutz. Oui. Pas un seul. Ça va, ça va. Wolfgang vous retire l'affaire et puis... Madame Weber est mutée. Il y a un poste à pourvoir, à Gotha. Et ici, ils en ont supprimé un. Quand ça ? Hier. D'accord. Vous n'arriverez pas à me museler. Pas comme ça. Ah ! Vous museler ! Vous comptez nous poursuivre pour entrave à la justice, peut-être ? Moi, vous ne me muterez pas, je vous le dis. Toi ? Tu pars 6 mois en formation à Münster, en cybercriminalité. Et ensuite, t'as 6 mois de stage en criminologie à Erfurt.
Mais ça n'a pas suffi. Ils sont en position de force. Wolf, éteignez-moi ce portable. C'est le ministère de l'Intérieur. Ah, ok. Yvonne ? Oui, salut. Dis donc, ça faisait longtemps. T'exagères, je t'ai appelé la semaine dernière. Écoute, j'ai trouvé quelque chose qui devrait t'intéresser. Tu peux passer ? Là, tout de suite ? Tout de suite. À Gotha ? Mmh. Ok, je vais essayer de m'éclipser. À plus. À plus, oui. Salut, Franck. Salut. Suis-moi. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est par là. C'est là. Wojciech ? Le manteau que portait Dorine, les deux cheveux qu'on a retrouvés dessus. Les cheveux dont Foss nous a parlé. Il sort d'où ce carton ? Il faisait partie des archives de Kleiner qui ont été déménagées, d'Eisenach à Gotha. Personne ne l'avait jamais remarqué jusqu'à ce qu'on transfère les archives ici et qu'un nouvel inventaire soit fait. Contrairement aux autres cartons, celui-ci n'était pas étiqueté. Au moment de la réouverture d'enquête sur les meurtres non élucidés, les dossiers ont été envoyés à Eisenach, mais pas tous. Et quand on est allé aux anciennes archives pour récupérer le reste, celui-là, on l'a pas pris. Parce qu'il n'était pas étiqueté. Et ben, on n'a plus qu'à faire un test ADN maintenant. Mais avant 8 jours, sinon ça servira plus à rien. Très juste. Oui ? Pourrais-je parler à Anton Mesmer ? Une minute. Maman ? Bonjour, je m'appelle Frank Wolf, police judiciaire, et j'aimerais parler à votre époux, s'il vous plaît, Anton Mesmer. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais depuis 2 semaines, ce n'est plus possible. Pourquoi ? Allez voir au cimetière, vous saurez. J'aimerais vous montrer quelque chose. C'est l'assassin de Dorine, Anton Mesmer. C'était Mesmer. On l'a identifié grâce à des cheveux trouvés sur le manteau de Dorine. Et vous en êtes sûr ? Sûr et certain. J'ai révélé l'information hier. Aujourd'hui, c'est dans tous les journaux. Tout le monde le sait maintenant.
Merci. Une question encore. La femme avec qui vous étiez pendant la pause, c'était qui? Hey, mais c'était Ritter, lui. Le musicien, le meurtrier. Et c'est tout le monde le sait. Les morts, on peut les accuser de tout et de n'importe quoi, c'est sûr. Les vivants aussi. Tu ne peux pas faire ça, Franck. Tu ne peux pas faire convoquer ton propre supérieur. C'est vrai. N'empêche que je peux coopérer avec mes collègues de Gotha, par exemple. Monsieur Schulte, ça aurait fait mauvais genre si ceux qui avaient repris le dossier avaient été les mêmes que ceux qui ont envoyé Ritter en prison à l'époque. C'est pour ça que vous nous avez confié l'affaire, n'est-ce pas? Pour qu'on valide vos conclusions sans complément d'enquête. Et qu'on classe l'affaire. Décidément, l'imagination ne connaît aucune limite. Ça a toujours été comme ça. Et maintenant, madame? Monsieur Müller, qu'avez-vous à nous dire? Une soi-disant piste Mesmer? Aucune idée. Je n'ai jamais entendu parler d'une piste Mesmer. Vous participiez aussi aux fêtes dans le pavillon de chasse? Oui, bien sûr. Ah oui. Mais tu le sais, non? C'est quoi cette question? C'est pour le procès verbal. Ah ça, il y en a eu des fêtes, oui. Puis ça baisait dans tous les coins. C'est ce qui doit vous manquer, hein. Sinon vous n'auriez pas l'air aussi coincé, mes piquets. Dites-moi, on a couché ensemble ou quoi? Pardon? Parlez-moi autrement, je n'aime pas votre ton. Le dossier Mesmer, j'en ai jamais vu la couleur. C'est André qui a foiré. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut condamner André? Parce qu'à force de bavarder, il a oublié un dossier, c'est ça? Sur le chemin de Commercehausen, Mesmer a croisé Dorine et il lui a proposé de l'emmener. Tout le monde l'adorait, c'était un amour. Hey, une jolie brune fille. Et le jour où elle a été assassinée, on faisait tous la fête là-haut. Mais on n'avait plus de bière. Mesmer a donc été chargé d'aller en chercher. Dorine Wojciech est morte alors que vous faisiez tous la bringue. Mesmer a quitté la route principale pour s'engager sur un chemin forestier, avec Dorine. Et là, il a tenté sa chance. Mais elle ne voulait pas. Elle voulait rejoindre Ritter. Elle n'avait aucune envie d'un vieux schnock comme lui. Mais Mesmer a insisté. Il a peut-être essayé de la tripoter. Alors elle l'a menacé. Je raconterai tout à mon père. Et là, il a pris peur. Et il l'a étranglé avec la ceinture de son manteau. Très belle histoire. Peut-être, mais elle ne s'arrête pas là. Parce que vous avez tous couvert Mesmer ensuite. Et c'est vous qui en avez donné l'ordre, monsieur Bölke. Vous n'avez strictement aucune preuve. C'est vous qui le dites. Vous savez ce que je comprends pas. Pourquoi une grosse pointure comme vous couvre un vulgaire subalterne comme Mesmer, hein? C'est vrai, quoi. Il n'avait aucun moyen de pression sur vous. Ou bien si. Qu'est-ce qu'il aurait pu raconter de spécial sur vos fêtes, là-haut? Qui baisait qui? Mais ça n'aura intéressé personne, ça. Oui, exactement, personne. Monsieur Bölke, l'entretien n'est pas encore terminé. Vous n'avez rien contre moi. Bon, dites au procureur Kleinhardt qu'il peut entrer. Kleinhardt? Il est en vacances, en Californie. Il ne rentre que dans 6 semaines.
En clair, on peut rien contre eux. Ça en a tout l'air. L'assassin est mort. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont couvert se couvrent mutuellement. Et dans 24 heures, il y aura prescription. Qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu restes, ce sera insupportable. Je trouverai bien autre chose. Il y a forcément quelque chose qui nous a échappé. Qu'est-ce que tu veux dire? Un élément déterminant. Pourquoi un gros bonnet comme Bulke voudrait-il protéger un sous-fifre comme Mesmer? Il a risqué toute sa carrière en faisant ça. Il a quasiment mis son destin entre les mains de Mesmer. Pourquoi? Par pur corporatisme? Nous n'avons pas le moindre indice qui nous permettrait d'aller plus loin. C'est trop tard. Il faut se faire à l'idée que toutes les questions n'ont pas toujours une réponse simple. Du genre... ils avaient un lien de parenté avec lui ou... ils étaient tous solidaires parce qu'ils appartenaient à la même corporation. Je suis sûr que tout ça cache autre chose. Mais ils n'en parleront jamais. Il y aura toujours une place pour toi à Gotha. Si un jour tu passes dans le coin. Qu'est-ce que tu entends par là? Je parle du boulot, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, moi aussi. Au fait, notre première affaire, qu'est-ce que ça a donné? Celle du néo-nazi? Ah oui, Bernd Peters? Abattu par son propre système anti-intrusion. Sérieux? Oui. Il faut que j'y aille. Je te raccompagne à ta voiture. Franck, je peux te poser une toute dernière question sur l'affaire Wojciech? Ça te travaille, hein? Dis-moi, c'était qui la femme qui était avec Ritter pendant la pause? Bonne question. J'en sais rien. Moi aussi, j'ai une dernière question. Tes collègues contre lesquels tu as témoigné à Francfort, c'était pas une blague, hein? J'en étais sûr. Salut Franck. Salut Rike. C'est sympa de passer nous voir. Oh. Bon, pas grave. Ça fait un bail. Je trouve ça dommage qu'on se voit pas plus souvent. Tu permets que je... Tu sais ce qui me turlupine? Pourquoi la femme qui s'est envoyée en l'air avec Ritter n'a jamais témoigné en sa faveur? Oh, peut-être qu'elle était lâche. Ouais, peut-être qu'elle était lâche. Peut-être aussi parce qu'elle avait quelque chose à perdre. Un mari, une réputation. C'est peut-être pour ça que Ritter n'a jamais rien dit, par amour pour elle. Oui, mais elle avait plus besoin de rien dire, puisque... elle y a eu cette autre femme ensuite qui a témoigné en sa faveur et il a été libéré. Il a été acquitté, oui. Mais pas dans l'esprit des gens. Cette femme aurait pu le blanchir totalement, avec un alibi en béton. Et détruire sa propre existence. Tu n'as jamais eu peur que Ritter parle de vous à son avocat et qu'il te convoque en tant que témoin? Dans ce cas, j'aurais tout nié et ça aurait été sa parole contre la mienne. Elle vous plaît? Carnet d'entretien garage, peinture métallisée, décapotable et sous garantie pendant encore un an. 89 000 marques. C'est une bonne affaire. Alors, Franck, tu es content de ce que tu as fait? Démissionner, trahir tes amis, et tout ça pourquoi? Vous savez quoi?
Je vous offre les pneus neige. C'est une belle journée, non? Idéal pour un essai. On y va? Tu savais qu'on ferait traîner tout ça jusqu'à la date de prescription. Tu le savais, Franck. Et pourtant, tu nous as convoqués. Pourquoi? Et le système audio, le top du top. Radio, lecteur CD. Non, mais écoutez ça. Pourquoi, Franck?